Salut à tous, c'est Koenski. Aujourd'hui, on va découvrir Abris, un jeu de construction et de destruction de structures basé sur la physique. C'est un jeu développé par Randwerk Games et une démo du jeu arrive pour tout le monde pour le prochain Steam Neo Fest entre le 21 et le 28 février. Ici, j'ai une version un tout petit peu plus complète que cette démo qui nous arrive, offerte par le développeur. Pour pouvoir vous présenter le jeu sortira cette année a priori avant les vacances d'été d'après la page Steam, mais il n'y a pas encore de date précise et le français devrait être disponible également à la sortie. On va commencer peut-être un peu le début de la campagne. J'ai pas encore vraiment testé le jeu, j'ai juste fait 2 minutes du premier tuto pour régler le son du jeu, mais c'est tout. Alors, tenir le bouton droit de la souris pour faire une rotation. J'aime bien les graphismes du jeu, je trouve qu'ils sont... Il y a des beaux contrastes, des belles couleurs. Pour le moment, ça me plaît assez bien. Maintenez le bouton gauche pour bouger la caméra, d'accord. Nouvelle partie, nouvel objet en fait. Un cube super lourd, super. C'est ceci. On va le mettre avec le bouton gauche pour le placer quelque part. Donc là, j'ai des petits symboles qui m'indiquent où je dois le mettre, hein, mais ce sera pas pareil après, j'imagine. Là, c'est le tuto. Alors, tenir pour bouger après le placement, relâcher pour construire, d'accord. Donc, je peux le mettre et puis bouger et lâcher. Très bien. Alors, scroll pendant qu'on maintient la souris pour... pendant qu'on survole pour faire tourner les parties. D'accord. Donc, avec la molette, je fais tourner la pièce. Boum. Détruisez toutes les cibles rouges pour gagner. Ok. Et donc, avec C, je peux voir les contrôles. Oulala, d'accord. Il y en a quelques-uns. Avec Z, on peut faire undo, par exemple. Il y aura peut-être un tuto qui fera ça après, donc là on va simplement démarrer. Est-ce que je peux en mettre d'autres? Est-ce que j'ai besoin d'en mettre d'autres? Peut-être pas. Bon, j'en ai encore deux, donc on va en mettre un max. Boum. On pète tout. Et c'est complet. Alors, j'ai détruit... 92%, ok. En un mouvement, donc j'imagine que plus tard on pourra faire plusieurs mouvements successifs. Ok. Utilisez les connecteurs pour relier les différentes parties. Les connecteurs, d'accord. C'est-à-dire... J'imagine que les cibles, c'est encore en rouge. On a deux grands blocs qui sont l'un à côté de l'autre. Donc faire tomber l'un sera comme un domino, ça fera tomber l'autre, je suppose. Le connecteur et les piliers, les grands piliers. Ok. J'ai rien compris, on va mettre ça. J'en ai combien? J'en ai 3? 4? Mettons que j'en mette 2 comme ça. De chaque côté. Le connecteur. Qu'est-ce que ça fait le connecteur du coup? Ça va rigidifier en fait? Peut-être. Ah, du coup j'aurais dû rigidifier les connecteurs entre eux. Les grands entre eux pour qu'ils soient suffisamment... Parce que là, regardez, à mon avis, ça va tout simplement pas tomber déjà. Ok. Alors on va... Oui, d'accord. Je vais juste tester un petit peu. Donc, il faut bien prévoir la physique et se dire qu'il faut que ça tombe vers la droite. Hein. Donc on va mettre les cubes, comme j'avais mis dans le précédent. On a appris à le faire, mettre les choses un petit peu en déséquilibre. Comme ça... Comme ça. Alors maintenant, on va mettre un de chaque ici. Également en déséquilibre. Je vais mettre des connecteurs pour qu'ils soient, j'imagine, rigidifiés par rapport à ceux qui vont être au-dessus. Comme ça, ça va tomber tout droit et bim bam boum, ça va tout péter. Ah oui, j'ai fait undo, hop. Avec Z. Allez, go! Ah, d'accord, oui, la physique, effectivement. Oui, oui, d'accord, je comprends. Ça ne pouvait pas fonctionner. C'est rigolo. J'aime bien ce genre de jeu. C'est relaxant. Alors on va... Enfin, ça peut être énervant aussi. On va placer... Alors j'ai quand même besoin de partir comme ça, mais il faut qu'on tombe tous vers la droite. Tous, nous, les cubes. Vers la droite. Il faut qu'on dépasse un peu de la moitié, par contre. Voilà. Je vais refaire celui-là. Ok.
Du coup, ouais, ça c'est, on peut mettre comme ça. J'espère que ça va fonctionner. Que je me dis, voilà, maintenant ça va tout tomber d'un bloc vers la droite. Oh, allez, allez, c'est bon. Yeah. Ouais, ok. C'est bon, c'est réussi, quand même. Quand même. 84%. Mm-hmm. Détruisez les cibles sur le terrain de construction pour débloquer. Ok. Donc c'est ça le terrain de construction ? Je dois faire tomber ce bloc-là sur celui-là pour tout péter. Va falloir le pousser avec suffisamment de poids, évidemment, parce que c'est basé sur la physique, donc également sur le poids. C'est rigolo, les petits... C'est quoi ? C'est des véhicules ? C'est des drones ? Ils tournent comme ça ? Donc ça, c'est les cibles. Je peux pas construire là, j'imagine. Non, je peux construire que sur la, le socle doré. Là, on a des structures un petit peu bizarroïdes. Est-ce que ça va péter ? Est-ce que ça va exploser ? Est-ce que ça va toucher ? J'en sais rien. On va faire un test, on va essayer de faire un truc le plus haut possible et qui tombe. Peut-être que je dois en mettre deux les uns sur les autres. On a 6 piliers quand même. Et 5 attaches. Ça veut dire que je peux peut-être mettre une attache supplémentaire. On va commencer comme ça. Je vais mettre les piliers de toute façon. À quoi comme distance? On va essayer de fonctionner juste avec 1. On en mettra encore un autre à côté si on peut. Là, on est suffisamment haut, mais par contre, on va peut-être pas être suffisamment lourd. Ça me fait un peu peur. On a 3 EV Beams. On pourrait faire un genre de marteau. Why not? Et pour rajouter un peu de poids, on va coller celui-là. Là, normalement, il va se coller vu qu'il y a le connecteur. Tout ça est rigidifié, hein, donc ça va tomber d'un bloc. Ça me paraît pas mal. Je suis assez fier de moi. Je peux même remettre un peu de poids par là parce que de toute façon, ça va quand même tomber. Comme ça, on rajoute un peu de poids sur le bazar. Et ça, on va juste le mettre comme petite cerise sur le gâteau au-dessus. Ça va tomber par-dessus tout, mais c'est pas grave. J'avais encore des connecteurs, cela dit. Bon, allez, c'est bon. Tout est prévu, les amis. Ça va tomber, évidemment. Ouais. Oh là là, j'ai tellement bien... Oh là là. Je crois que c'est bon. Par chance, un peu, peut-être, mais... Ça m'a l'air ok. Attendez, là ça n'a pas pété. En tout cas, c'est complété parce que celui-là, je devais pas absolument le casser. Mais sans doute, je vais avoir moins de points, peut-être. Ouais, non, là, j'ai fait, en fait, ça paraît bon. Allez, suivant. On va essayer d'en voir un max. Utiliser des rotateurs pour tourner les différentes parties. Ok. Et on peut motoriser tout ça? Intéressant. Alors, on a une turnaround GIF cam. Ah, d'accord, ok. Je vais pas faire. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un bug visuel ou pas? On dirait bien. Voilà, j'ai reset le level, mais je l'ai pas testé. On va mettre un connecteur parce que je pense qu'il faut bien le tenir quelque part, le rotateur. Sinon, il va pas pouvoir tourner correctement. Il va tourner fou. Donc, je l'attache en dessous en mettant le connecteur. Il faut remettre un connecteur au-dessus pour que ça tienne ce qu'il y a au-dessus. Et là, on va mettre un genre de... Bon, j'imagine qu'il tourne tout seul, en fait, ce machin. On va mettre un truc qui nous permettra de tourner et de tout casser en tournant. Alors évidemment, on n'a plus de connecteur si je fais ça. Très problématique. Ultra Heavy Cube, d'accord. Alors, ça va sans doute fonctionner autrement. Je vais faire un petit essai, peut-être, avec ça, en le mettant directement dessus. Peut-être qu'il colle direct. Et peut-être que, à mon avis, ça doit coller, probablement.
Vous voyez ce que je veux dire, hein, j'ai peur que les pièces se barrent là. J'ai bien l'impression que je fais n'importe quoi, mais écoutez, on va voir. Alors ça c'est pour activer la rotation, je pense, du coup. Ici. Ok. On casse tout. C'est bon. La structure a tenu le coup, donc ça, ça fait bien de la colle. Hein. C'était obligé, hein, sinon ça n'aurait pas pu être faisable, je pense. On casse tout. On est dingue. Alors ça me donne quoi? Ça me donne... 86%, d'accord. Donc faut vraiment essayer de casser entièrement la structure. Ou alors j'ai loupé un rouge et ça me donne peut-être ça. Faudrait peut-être que j'essaie de regarder un peu mieux ça. Utiliser des bombes pour créer des explosions. Magnifique. On en rêvait justement. Alors j'imagine qu'il faudra les activer au bon moment également. Ok. On a ce machin-là qui va faire des allers-retours. Effectivement. Par contre, je peux rien attacher dessus. Je dois m'attacher là. Et on pourra faire des explosions. Mais à quoi ça va servir? À quoi sert ce truc là? J'ai l'impression qu'il sert à rien ici. Bon. Donc on a les heavy beams, mais là, c'est que dans ce sens là. Donc pour aller en hauteur, comment est-ce qu'on va faire? On a une bombe, on a des connecteurs. Bon, après réflexion, je vois qu'une chose, c'est de les mettre les uns sur les autres. Je sais pas quelle est la portée de la bombe non plus. On va essayer un truc comme ça. Je vais la faire tomber quand même sur la droite, le truc. J'espère que ça va tomber, là. On va monter chaque fois avec connecteur heavy beam. Est-ce qu'une fois qu'on a placé quelque chose en dessous, on peut faire bouger le tout ? Non, une fois que c'est placé, j'ai bien l'impression. Je suis pas sûr qu'il va tomber là en fait. Bon écoutez, on va tenter. Ça va faire une structure un peu bizarroïde et je sais pas du tout... J'imagine que j'ai ceci, c'est bon. Est-ce qu'on va monter assez haut? Alors j'aimerais bien évidemment mettre ça. Là, pour que ça atteigne la bombe quoi. Enfin le truc là, on n'est pas loin, donc j'imagine que la bombe va le péter. Surtout si je mets encore des trucs dessus comme ça. C'est bizarre hein. En plus j'ai deux bombes, pourquoi est-ce que j'ai deux bombes? Je ne sais pas. Ok, mission accomplie, hein, bon, quoi qu'il en soit. Et alors, je vais voir combien de points, là. Clairement, j'ai pas pété tout le pont, j'ai pété que le truc rouge. Et un petit peu plus. Wow. Quoique, si on attend un petit peu, tout le viaduc y est passé. Et quoi, je vais baisser un peu le son. Ok. Bon alors, complété, d'accord, mais on a détruit combien? Moi je dirais 100%, 90%. Alors, utiliser les thrusters pour la propulsion. D'accord, d'accord, d'accord. On va devoir se propulser au travers de tous ces bâtiments-là. Et exploser les deux au milieu en tout cas. Les deux trucs. Faut que j'arrive à monter au bon endroit avant de propulser. Et ça c'est un peu compliqué parce que la caméra on peut pas la... Je crois pas qu'on puisse changer l'angle, vous voyez. Donc on va falloir faire un petit peu au pif. Ok, connecteur, thruster. Ultra heavy cube. Bon, là je sais pas trop, on va construire en dur en tout cas. Sinon j'ai peur que le propulseur... On va se mettre bien au milieu. J'ai peur qu'avec la propulsion ça fasse tout basculer avec le vaisseau spatial que je vais envoyer, la roquette, ne parte pas droit. Je veux qu'elle parte bien droit, donc on va bien rigidifier le truc, vous voyez. J'ai l'impression que là, on doit être plus ou moins à la bonne hauteur. Peut-être un peu trop, mais de toute façon, ça va tout péter. Hein.
va mettre un heavy beam comme rampe de lancement. Le cube va être ce qu'on va propulser. Ah bah je vais tout mettre finalement. Et on va lui mettre les propulseurs dessus. Voilà. Sauf que je voudrais bien prendre, qu'il prenne un peu de vitesse là, donc on va pas faire ça. Ou presque pas, faut qu'on parte au début de la rampe de lancement. Ce sera beaucoup plus joli. Ce que je me dis peut-être aussi, c'est qu'il y a... Oula, j'ai mis à côté. Il y a peut-être quand même la physique qui va... Le propulseur, il pousse sur le côté, mais ça va tomber vers le bas, quoi. On va voir. Let's go! C'était vers le bas, effectivement. Ouais, donc là, non, c'est pas bon. Et là, c'est quoi? Ça fait quoi, ça? Rien. Bon. Ok. Pas grave. Il va pas me résister bien longtemps, celui-là. Alors, c'est rigidifié, mais ça chahute un peu. Ça part un peu de tous les sens, quand même. Hein. Maintenant, si je pouvais le lancer en diagonale directement, comme il a tendance à tomber, ce serait bien. En fait, je pense que le Heavy Cube, c'est peut-être pas une bonne idée, parce que comme il est lourd, justement, il tombe. J'aurais peut-être intérêt... Ah, mais c'est tous des lourds, de toute façon. Bon, je vais devoir, de toute façon, porter un truc lourd. Il aura tendance à retomber. Ok, j'ai une idée. On va se servir justement du fait que ça ballotte un petit peu pour faire balloter vers l'arrière pour que ma rampe de lancement soit inclinée. Ok? Donc, de toute façon, ça, il faut accrocher, sinon tout va tomber. Parce qu'on est au milieu. Je vais le mettre comme ça. On n'est pas du tout au milieu, Koninsky. Qu'est-ce que tu fais? On commence. Voilà. Ça. Ça. Ça, donc le début ne change pas. Mais ceci, on va le mettre comme ça. Ça va donc pencher en arrière. On aura la fameuse rampe de lancement inclinée que je voulais. Oh, c'est magnifique, ça. Vous le sentez, le coup qui va réussir? Moi, je le sens bien. Oh là là. Oh, bah ça colle. Pourquoi ça colle? Ça peut pas coller. Alors, on va revenir où on était là parce que c'est bizarre. Ok, je vais le mettre un peu plus là. Ce sera peut-être mieux. Oh. Attends bien que ça tombe. Ça penche pas autant que je voudrais, honnêtement. Franchement. Ah mon dieu. Ce système avec le cube ne fonctionne pas. On est bien d'accord. C'était vraiment un échec. Hein. J'oserais pas vous dire que ça n'a pas fonctionné. C'était vraiment un échec. On va revenir là réfléchir. Bon, après réflexion. Revenons un peu en arrière. On va essayer autre chose. On va essayer de faire un petit avion comme ça. Donc on va mettre du poids vers l'arrière pour que le thruster et le poids devant le thruster ne pousse pas vers le bas. Donc le seul moyen, c'est de mettre du poids à l'arrière. Donc on va mettre ça. Ceci va s'envoler avec le reste. Je vais le mettre en équilibre, sinon ça va tomber. Alors par contre, on va quand même le reculer un petit peu parce que je vais mettre du poids devant. Il faut coller. On va coller ça ensemble. Tout est collé ensemble ici via ceci. Et je mets ça. Ce que je me dis, c'est que maintenant... Oula. Allez, vas-y. Hey. C'est bon. Maintenant, il n'y aura plus tant de poids avant. Mais je crois qu'il y a encore trop de poids à l'avant. Hein. Il y a encore trop de poids à l'avant. C'est mieux. Non, c'est pas mieux. En tout cas, il est puissant. Il peut porter tout ça. Mais le problème, c'est vraiment... Il me faut plus de poids à l'arrière. Franchement, je pense que je suis pas sûr. J'ai l'impression que je m'envoie sur une voie de garage ici. Mais je peux carrément le mettre devant, en fait, ce truc-là. Hein. On peut. On va essayer.
Avant, ça pour accrocher le moteur. On met le moteur. Là, on a vraiment un truc qui est très chargé à l'arrière. Allez, sois sympa. Eh. Hey. Bah, je zoome un peu plus quand je veux être plus précis. Ok, go. Ah. Non. Pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé là? Allez, d'accord. Le problème, c'est que je vais recommencer la même chose, mais on va tout décaler. Parce qu'évidemment, maintenant, j'ai trop de poids devant. Bon, je pouvais faire ça, c'était peut-être pas une mauvaise idée, mais ça, je vais d'abord le mettre plus à l'arrière. Alors, ça va être un peu au pif. Au pifomètre. J'ai l'impression que ça va être encore trop lourd devant parce que là j'ai 3 cases et là j'en ai que 2. Ouais, donc ça n'ira pas. Donc là il y en a... Si je veux 3 cases... Faut mettre à la moitié plus ou moins ici je pense. On essaye, hein, on essaye. Voilà. Ah, oh, elle se tombe encore devant. Mais enfin. Ok. J'ai l'impression quand même que je suis sur la bonne piste. L'optimisme, les amis, c'est important dans la vie. Peut-être que ces machins-là sont plus lourds. Écoutez, il y a peut-être le poids de ça aussi, je suis pas sûr. On va mettre complètement vers l'arrière. J'ai compris ma leçon, ok, ok. Limite, ça tombe un peu vers l'arrière, c'est peut-être pas plus mal. Après, on enclenche et on s'envole, quoi. C'est parti. Vous êtes prêts? Go! Non, on tombe encore en avant! C'est pas possible! Ah! Non. Je vais devenir fou. Alors, c'est pas grave. On va mettre encore la moitié derrière, on va mettre encore plus. Le connecteur. Alors si je mets le connecteur, oui le problème c'est si je mets le connecteur là, il va coller avec le bas, hein, je peux pas. Alors il faut peut-être le mettre ici dans ce cas-là. Là je crois que ça va être trop lourd derrière. Il faudra vraiment... Pff, quelle galère. Oh, il tombe encore en avant, mais en fait... Ce truc-là, c'est méga lourd, en fait. C'est méga lourd. Il est marqué super heavy ou... Ah oui, c'est ultra heavy. C'est vrai, c'est ultra heavy, bon Dieu. Ok. Ok, ok, je me rendais pas compte. Faut pas s'en servir pour propulser, celui-là, justement. C'est malin. Il faut l'accrocher à la structure. Peut-être que simplement faire ça, c'est encore le mieux. Hein. Bah oui. Oh oui, c'est bon. Je me suis fait avoir. Je pensais que c'était lourd, mais c'est super lourd, ultra lourd. My bad, c'est ma faute. Mais là, tout va péter, c'est bon. Ce truc-là est vraiment, vraiment très, très lourd. Oui, je suis pas fier de ma performance là, mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a ici? 4 KPT au-dessus. Ceci, on va faire un genre de fusée qui va vers le haut alors. 2 thrusters, une bombe, 2 rotateurs, 4 connecteurs et un pilier lourd. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Pour péter ça, il y a besoin de tout ça? Ok. Donc, j'aurais envie... Alors déjà, le rotateur, je vois pas bien à quoi il va me servir. Il suffit que je monte pour tout péter. On va mettre le pilier. Connecteur. Ah, mais je manque de pilier, là, justement. C'est ça, le truc.
Je manque méchamment de piliers pour attacher les thrusters, en fait. Bon, je déconnecteur, ça peut faire office. On va mettre un là. Un là. Je mets les deux thrusters en dessous et puis voilà quoi, on décolle. Non. Alors par contre, comment les mettre en dessous? Ah, on peut peut-être pas. On peut peut-être pas. Bon, j'ai un petit peu essayé, je pense qu'on peut pas. J'y arrive pas, je crois que c'est pas prévu pour. Donc il va falloir faire autrement et c'est peut-être là que la bombe va servir. Peut-être si on fait exploser la bombe en dessous de la structure, on l'envoie tout péter vers le haut et à ce moment-là, on peut y arriver. Donc admettons que je mette la bombe dessus. Je sens que ça va être un peu foireux ce que je vais faire. Je peux peut-être construire dessus. C'est bien utile. Alors par contre, il faudrait construire vraiment au milieu. S'il y avait moyen, ce serait bien. Ici. Voilà. Le rotateur, du coup, je vois pas bien à quoi il servirait, mais ça fera faire plus de dégâts en faisant une rotation et... C'est foireux, mais on va quand même tenter d'utiliser ça. Un truc qui tourne, ensuite qu'on propulse dans les airs pour faire un max de dégâts. Oh, attendez. Pourquoi est-ce qu'il met... Pourquoi est-ce qu'ils ont deux looks différents? Pas les mêmes. Ah, c'est encore un rotateur, là, d'accord. Non, c'est des rotateurs, ça. Ça, c'est des... Pas trop, du coup. Donc, ah oui, 1, 2, et ici, l'explosion. D'accord, on va enclencher les deux en même temps. Ok! Et puis, boum! Ah, j'espérais que ça envoie la structure en l'air. Je vous avoue. Je vous avoue, je suis déçu, là. Déçu. Bon, alors après réflexion, je me dis qu'on pourrait peut-être utiliser les rotateurs pour mettre les thrusters vers le bas. Ah bon, vous voyez le truc, donc on va refaire la structure d'avant un peu. Je m'élève un peu. On refait des connecteurs pour rigidifier une structure. Voilà, j'en ai encore un, mais là c'est... Ouais, je sais pas quoi en faire. Ici... Alors, faut bien les choisir, parce que comment ça fonctionne comment, ce truc-là? C'est ceci qui va tourner. Ouais, donc non, il faut que j'enlève ça. Hop, on met maintenant les connecteurs, donc eux vont pouvoir tourner. Et j'espère que je fais pas tout ça pour rien. Je veux dire, j'espère qu'il n'y a pas moyen vraiment de mettre les thrusters directement vers le haut. Ce serait quand même dommage. J'arrive pas à incliner la caméra pour qu'elle aille vers le haut, donc je me dis, on doit pas pouvoir. Puis la bombe, à quoi est-ce qu'elle sert? Bah, elle sert à ce qu'on va la mettre au-dessus et que quand on va élever, on va faire péter la bombe en plein milieu. Ok. Bon, si ça marche, quoi. Donc, ouais, c'est pas gagné. Oh non! Oh non! Mais pourquoi? Pourquoi il y a plus de poids à droite qu'à gauche? J'ai fait exactement la même chose de chaque côté. Pourquoi ça tombe à droite? Aucune raison. Je vais enlever la bombe ici. Hé, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Je suis très surpris que ça tombe comme ça. C'était la bombe qui n'était pas hyper centrée, peut-être. On va faire ça, peut-être juste pour nettoyer le niveau. Non, attendez, on va... Attendez. On va essayer de la mettre pour que ça fasse pas tout tomber. Il n'y a pas de raison. Je veux cette explosion avec la bombe. C'est centré, là. C'est bon, ok. Yes, maintenant on fait tourner. 1 et 2. Là. Là, 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 ok.
Je vais faire un par un. J'ai l'impression d'être à la foire, vous savez, ces machins où il faut... Ah, les arrêter juste au bon moment. On refait un tour. C'est suffisamment droit, on va dire. Si on peut faire aller l'autre un tout petit peu dans l'autre sens... Ah oh ben c'est bon, il est dans l'autre sens. Voilà. Ok. Donc ça c'est bon, faudra juste appuyer sur 5 quand ça devra exploser. Et là, il faut que j'appuie également pour lancer les deux thrusters exactement au même moment. Ou le 3... Ah mais je peux faire ça, il y a le bouton pour les deux en même temps. C'est ça les boutons. Ok, cool. Super. Vous êtes prêts? Regardez bien, ça va péter. 4, 3, 2, 1, go! Ouh! 5! Ok! Alors là, c'est parfait. Hein. Après, j'ai mis plusieurs fois pour y arriver, mais je crois que là, le niveau, il est impeccable. J'ai dû faire du 100% là. Oh, oui! Génial! Il était chouette celui-là. Allez, prochain! Utiliser les lasers pour couper les cibles. Allez, voilà autre chose. Voilà autre chose. D'accord, il va falloir découper pour que tout se pète la gueule. Hein. Si je découpe un cadre ici au-dessus, normalement il y a tout qui tombe vu que c'est tenu, c'est plus tenu par rien, mais je me méfie. On va faire des petits tests, hein, on verra bien. Ou alors il faut découper ici tout autour. J'aurais dit que découper là... Et là, ça pourrait peut-être être suffisant. Qu'est-ce qu'on a? On a des lasers, on a le connecteur, on a des rotateurs pour faire tourner tout et tout découper. Les deux lasers, donc on peut découper à plusieurs hauteurs différentes sans problème. Ok. Et ceci est à hauteur... C'est déjà plus haut que les boules vertes, les boules rouges ceci. Hein. Bon, je pense que le laser, on va le mettre assez vite. On va commencer par un rotateur direct. Ok, il est bien mis. Le laser, ça peut se mettre comme ça. Alors à ce moment-là, on coupera à cette hauteur-là. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Pourquoi pas. Ensuite, il faut connecter, sinon après ça va tomber. Connecter à ça. On va aller couper un peu plus haut. On a la possibilité de le faire. Moi, je pense que je devrais couper là. Alors, on pourra pas couper du coup dans ce sens-là. Hein. Ça va être trop compliqué. Ça, il faut couper horizontalement avec les rotateurs. Ce qui serait bien, c'est qu'on puisse faire varier la hauteur des lasers, mais ça va pas être possible. On va mettre une hauteur en plus, je pense. Non, là, j'arrive trop haut. Ok. Là, on est déjà assez bien haut aussi. Hein. On va mettre un peu. On va mettre un connecteur. Alors, j'ai pas envie... Par contre, ça va... Non, si je fais... Je crois que ça va gigoter aussi, hein, et ça peut être une bonne chose. Ça peut être une bonne chose. J'ai envie de les faire gigoter. Si je fais ça, ça va sacrément gigoter vers l'avant, mais je crois qu'avec le mouvement de rotation, ça va aussi peut-être... Je n'utilise qu'un rotateur, mais est-ce que c'est grave ? Sûr. J'ai envie de voir déjà ce que ça donne. Tant pis si on réussit pas du premier coup. J'ai envie d'essayer. Et il va gigoter, c'est sûr. On va déjà allumer les lasers. Et on va tourner. Ce serait peut-être mieux si ça gigotait un peu plus. En tout cas, réussir le niveau, pas de problème. Avoir une structure un peu moins rigide aurait peut-être permis de couper plus.
On va revenir un peu dessus, peut-être. Parce que là, je vais être en dessous des... Mais non, ça me plaît pas du tout. Ça ne va pas. Il faut pas mettre le laser directement en bas, ça, je pense. On va essayer de couper un peu incliné vers le bas et on va déstabiliser cette structure. Alors peut-être que ça va être de trop. On verra. J'aimerais bien la pencher, qu'elle penche un peu vers le bas là déjà, puisqu'on est déjà plus haut. On va mettre ça. Hop. Je n'ai plus que un collant par contre là. En faisant ça comme ça. Oh, mais j'ai pas mis la rotation. Mais je vais la refaire, je vous reprends là. Voilà. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Je vais essayer de pencher vraiment pour que ça penche un peu vers le bas. J'ai encore un connecteur, on va le mettre ici tout en haut, avec le laser. Là on est au-dessus, mais ça va pencher, c'est quasiment sûr. Avoir une autre rotation pourrait être utile, histoire que ça gigote peut-être encore plus. On va faire comme ça déjà, voir un peu ce qui se passe. Ouais, ça penche pas des masses. Si, ça penche un peu quand même. Le laser d'en haut passe complètement à côté de l'objectif. On va recommencer. Ça, je trouve qu'il y a sûrement moyen de mieux faire. Et notamment les rotateurs, je peux tout à fait les utiliser pour couper en fait dans l'autre sens. En fait, il n'y a rien qui m'en empêche. Je pourrais couper un comme ça, et là on coupe et ça va tomber. En fait, les quatre pièces vont tomber, les quatre morceaux vont tomber. C'est ça que je dois faire. Attendez. Attendez. Donc le premier rotateur en bas, il est nécessaire de toute façon pour que ce laser ici coupe au milieu. Comme ça. Et maintenant, je vais couper comme ça. Et normalement, ça dépend comment je fonctionne, mais j'imagine que tout va tomber. Parce que là, c'est pas collé, c'est juste mis autour. Autour de la structure noire. Et donc, il faut juste que je mette une rotation dans l'autre sens. Un truc qui vient sur le côté et qui ici, ouais, tout à fait. C'est ça qu'il faut que je fasse. Donc, on va remettre un connecteur. Par contre, du coup, je pense pas qu'on ait besoin d'autant de pièces, mais c'est peut-être pour enduire d'erreurs, hein, simplement. On va pu le mettre aussi simplement plus bas. Hein. Je vais le mettre là. Et peut-être qu'également ça va couper un peu plus parce que comme ça, ça va tourner en plus. Ceci va... Si j'y prends assez de temps, ça va tout découper peut-être. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais je me comprends. Go ! Laser 2. Oh ! Non, rotateur, zut. Je me suis trompé. Rotateur, hop, et les deux lasers. Oui, ok, l'effet est un peu inattendu, mais c'est globalement ce que je voulais faire. Celui-là, par contre, pour l'instant, il sert à rien, mais ça va finir par agir. Je sais pas si on a un temps limite. Ah, on a un temps limite. Peut-être. Eh, ça revient cycliquement au même endroit, zut. Tristesse. Allez, je crois que ça va rester comme ceci en fait, ça ne va pas. Pas bien pensé ça, Koniski. Faut refaire. Non mais en fait je suis complètement bête, il suffit, je peux arrêter les rotations évidemment. On va le laisser comme ça. Et je peux allumer et éteindre les rotations et les lasers. Hein, donc je peux allumer celui-là ou l'autre d'abord. Faire la rotation du deuxième.
Ça, je fais la perforation que je voulais. On pourrait même faire ça très finement et perforer en différents endroits. C'est un coup à prendre, hein. Voilà, on peut arrêter la rotation. Donc ça déjà, bon, c'est plus ou moins ce que je voulais faire, mais je crois que ce sera peut-être même pas suffisant. Apparemment, ça tient, en fait. Non, ça tient pas, ok. Donc là, il suffit de jouer. Je peux laisser la 2 allumée et puis jouer sur la 1 pour, à chaque passage, si je veux, faire un peu plus. Mais là, on va juste faire comme ça. Voilà. Ça. Bouge pas l'autre, sinon ça va évidemment faire foirer mon truc. Ça, c'est bon. Alors là, je sais pas trop. Plus ou moins comme ça, on devrait refaire un petit peu plus. Ouais. Ça, ça me paraît pas mal. Peut-être un tout petit chouïa trop. Oh non, j'étais bien. Ouais, écoutez, je suis content comme ça. On a vu c'était quoi la solution. Évidemment, c'est arrêter la rotation, c'est malin. Est-ce qu'on peut le faire? Cool. Utiliser les miroirs maintenant pour réfléchir les lasers. Oh mon dieu. Ça va devenir compliqué là. Il est temps d'arrêter la présentation. Bon, le truc qui bouge, je pense qu'on peut... Oh là là, ouais, d'accord. Ça commence à devenir un peu plus long. On commence là et... Alors, c'est quoi ça? C'est relié à ceci. C'est une porte. Une porte de bunker. On pourra peut-être pas la... On pourra peut-être d'abord activer ceci, le détruire, après ça, ça va s'ouvrir. Alors ils me disent d'utiliser les miroirs. Ça, c'est des miroirs? Pas trop sûr. On dirait, ça réfléchit la lumière qu'elle a. Et donc je peux aller en diagonale comme ça, péter tout. Péter celui-là, ça va ouvrir cette porte-là. Ensuite, on va là-bas. Bon, on va déjà faire un petit essai. Qu'est-ce qu'on a comme pièce? De toute façon, on n'a pas grand-chose. Tant mieux, j'ai envie de dire. Ouais, alors je peux mettre deux... Je vais les mettre les uns sur les autres pour diriger finement à gauche ou à droite. Donc ça, c'est pour aller à droite, ça, c'est pour aller à gauche. Très bien, c'est inversé, c'est génial. Gauche, droite. C'était inversé parce que c'était en bas. Est-ce qu'en termes de laser, on est bon? Alors oui, on peut toucher ça. Alors, on n'est pas à la bonne hauteur, c'est ça? Je suis en plein dessus, là. C'est que cette histoire... en plein dessus. Ah, ah voilà, ok. En passant plusieurs fois, ça a détruit la structure. Très bien. On continue. Évidemment, j'aurais bien tout pété. Bouge un peu, c'est parce que oui, ça bouge, alors ça monte, ça redescend. Wow, wow, doucement, doucement, doucement. C'est clair, mais je voudrais quand même bien un bon score. Je crois que c'est bon. C'est suffisamment bon. Boum. Complété. Ah, allez, bon, c'est pas si mal. Je
pas m'amuser à tout péter. On va regarder le début du prochain, mais je vous dis annonce déjà que je vais pas le faire. On va s'arrêter là pour la petite découverte. Activer des pistons maintenant pour lancer des objets. Ah non, mais ça c'est trop bien ça. On veut les pistons nous. On veut pas arrêter. Ah vraiment, le parti pris de la direction artistique me plaît bien. Honnêtement, c'est joli tout en restant très clair. C'est vraiment pas mal. Bon, les pistons là, ça marche comment? On commence là, on a quoi? Une poutre lourde. Un cube super lourd, attention Koniski. Et un connecteur, et les pistons alors ils sont où? On va les activer avec ça? Ah oui. On a l'image fantôme en fait ici. Donc je fais tomber un cube qui va simplement activer et puis ça va être propulsé. Même plusieurs cubes super lourds, on va tous les faire tomber et ça va faire un peu le bowling quoi. Alors juste un peu de chance. On va mettre ceci pour les mettre dessus et les répartir. Puis je vais tous les mettre dessus et ça va tomber de l'autre côté et puis voilà. Bon, ça c'est vraiment un vœu pieux quoi. J'espère que c'est comme ça que ça va se passer, mais on n'en est évidemment pas sûr. Je peux mettre une bim en plus là, mais je sais pas si ça va être utile. Je vais pas la mettre. Ah ouais. Ok, j'ai eu peur à un moment donné, je me suis dit mais les pistons ils marchent pas en fait. Quelle arnaque. Est-ce qu'une fois que c'est complété on peut le revoir? Ah oui, play again, on peut le faire. Je veux voir ces énormes pistons à l'œuvre. Ah non, c'est simplement le rejouer, d'accord. Dommage. Ouais. Ok, bah écoutez, voilà pour la petite découverte. Je me suis bien amusé sur cette version démo. J'ai pas fini. Après, la version démo au public, désolé, sera un tout petit peu moins fournie, mais je ne sais pas dans quelle mesure. Hein, donc, il y aura de toute façon de quoi s'amuser, c'est sûr. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas éventuellement de vous abonner à la chaîne. Laisser un like est toujours très très utile pour me faire remonter par rapport à ce farceur d'algorithme de YouTube hein, qui fait un peu ce qu'il a bien envie de faire. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais en tant qu'algorithme, Je sais pas s'il devrait vraiment faire ce qu'il veut. Il devrait plutôt faire monter ma chaîne en haut, je pense. Donc je compte sur vous. Et puis voilà, laissez peut-être un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, je me suis bien amusé à vous montrer le jeu. Je vous souhaite une belle continuation. Salut à tous.